Bonjour à tous, je vais vous présenter comment réaliser un montage fun fishing avec les connecteurs, les élastiques, les tulipes, les perles stripa, les cavaliers. Vous aurez donc besoin d'un élastique fun fishing, une tulipe externe pro fun fishing, des connecteurs, des perles stripa, un cavalier et une aiguille fun fishing. Derrière chaque paquet de produits fun fishing, vous trouverez un tableau récapitulatif des tailles à utiliser avec un code couleur. Pour un élastique orange, vous pouvez utiliser les connecteurs orange, les perles stripa orange ou les tulipes orange. Une fois votre élastique choisi, sélectionnez la taille de tulipe correspondant à votre élastique. Pour commencer, munissez-vous d'une lime, de la tulipe. Marquez avec votre main l'endroit à couper. Coupez avec la lime votre sillon. Affinez avec la lime afin d'avoir une découpe nette et précise. Enfoncez délicatement votre tulipe. Une fois cette étape faite, vous pouvez passer votre élastique. Commencez par passer votre élastique dans le stripa. Munissez-vous de l'aiguille et de la perle stripa. Enfilez la perle stripa sur l'aiguille. Utilisez l'aiguille et le trou de l'élastique creux pour passer votre perle. Formez une simple boucle pour bloquer la perle. Coupez l'excédent de la boucle. Passez le reste de l'élastique dans le sillon. Une fois l'élastique passé, munissez-vous du connecteur et de l'aiguille. Passez en premier la partie souple qui a un rôle amortisseur, puis utilisez l'aiguille pour rattraper votre élastique et le faire passer à l'intérieur du connecteur. Une simple boucle suffit pour fixer le connecteur. Coupez l'excédent. Et venez refermer la partie femelle sur la partie mâle. Votre kit est monté. Nous vous conseillons d'utiliser un cavalier pour protéger la sortie de l'élastique. Il se place à l'intérieur des deux éléments. Vous pouvez maintenant utiliser votre kit Restripa, travailler votre poisson et régler la tension de l'élastique avec la perle.